quelles sont les qualités principales que tu as ou que tu développes pour justement être à troisième ligne, pour avoir eu autant de sélections en équipe de France, pour être toujours à ce niveau-là? Le déplacement, je pense, avoir une bonne caisse physiquement, pouvoir enchaîner différentes actions comme un plaquage ou une phase où on va pousser et après derrière une longue course, c'est des choses qui sont un peu compliquées et qui demandent beaucoup d'efforts. Ouais, parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais tu as un vrai rôle dans la mêlée, ouais. De pousser. Même si par des fois les piliers ils me disent que non, mais si, on a un vrai rôle, ouais, quand même. Un vrai rôle pour stabiliser, pour pousser, donc ouais. Ça veut dire que tu laisses. Donc dans la mêlée ou dans les molles, on laisse du jus sur le plaquage. Si on doit plaquer, se relever, essayer de contester, on laisse du jus dans les phases statiques. Mais derrière, il faut qu'on puisse se déplacer et couvrir du terrain.